pour la continuité de cette première halte, nous allons opérer, j'allais dire, un petit coup de peinture sur ces zones dangereuses. Pourquoi un coup de peinture? Tout simplement parce qu'une fois de plus, on marche sur la tête, et les panneaux qui avaient été normalement mis en place pour, on va dire, signaler les zones dangereuses, ont été subitement et d'une manière unilatérale ôtés. Sachez que ça nous coûte super cher, et que devant la bronca de plus de 80 parlementaires, y compris avec, associés à des associations d'usagers, le gouvernement a décidé de faire marche arrière, mais tout en laissant la possibilité de mettre ce qu'ils appellent des radars pédagogiques. On rigole bien parce que la pédagogie, ministère de l'Intérieur, ça nous fait un peu sourire. Donc du coup, ici même, on va commencer à barbouiller non pas le radar, mais quelque chose qui permet d'attirer l'œil pour justement montrer ce radar. Parce qu'on se doute bien qu'un jour ils vont nous enlever les panneaux, que les radars dits pédagogiques vont arrêter de fonctionner, étonnant non? Je vous dis pas le prix de chaque radar mis en place, pas gagné, ça nous coûte très cher en tant que contribuable. Ne pas oublier aussi que nous sommes des citoyens qui payons nos impôts, et c'est particulièrement scandaleux de jouer avec notre fric pour dire on enlève les panneaux, ah ouais on s'est gouré, on va remettre les radars du pédagogique. Il y en a plein de culs à l'État qui dispense notre communauté de mettre sécurité routière. La sécurité routière, on la prend en main et on va la faire. Et quand on va aller tout à l'heure dans les QG, on va leur expliquer la réalité des choses. Allez.